Bonsoir. Je viens immédiatement de changer le titre de mon direct, donc je vais adresser un fait dans notre société, dans notre génération. Quelque chose qui nous dérange. Et on ne sait même pas en fait que ça nous dérange. Nous les jeunes là, ok? Vous avez un rêve et puis... C'est qui? Oui, maman. Hello. Je viens de lancer mon direct au... Aïe, 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 je voulais te présenter ton fils. Il est venu plus tôt maintenant. Oui, comme il est venu. Enfin, il vient parfois me prendre pour qu'on rentre. Ouais, quelle okay, maman. Je me dire à 21h. Donc, comme tu me vois, et je dois l'interviewer, tu te rappelles, non? On doit parler un peu. Donc, si tu peux lui dire qu'on le fait demain comme c'était prévu, s'il te plaît. Ah, c'était prévu pour demain. Oui, je te demande ah, demain. Moi, je me suis dit que comme il est en train de... Comme il est là... C'est ça, c'est pas tout qu'on va faire à la légère. Je suis en direct comme ça, je suis en train de parler, les gens sont en train de me regarder. Ah. Je te dis. Bon, attendez un peu, vous là, en ligne. Oui, tu pourrais quand même le voir. Non, maman, le truc, je vais le saluer, mais je vais parler intensément avec lui, je vais lui expliquer ce que je fais. Tu te rappelles, non? Oui. Donc, là, comme ça, en 5 minutes, ça va pas se faire. Il n'y a pas de souci. S'il te plaît. S'il aura dans le temps, parce que demain, je ne sais pas si. Non, le jour il est disponible. Dis-lui ça, s'il te plaît. D'accord. Merci, maman. Bonsoir, bonsoir. Ok. J'ai improvisé. Mais bon. Je cherche un assistant, en fait. Du coup, je suis jeune homme pour m'en proposer. Ok, je parlais de notre génération aujourd'hui. Et je me disais bien ceci. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, on a été mal renseignés, mal instruits concernant ce qu'il faut pour pouvoir arriver à un certain niveau de succès. Ce qui fait qu'on finit par fuir le travail. Donc, c'est-à-dire, si vous vous connectez là, vous voyez peut-être quelqu'un une page de 15 000 abonnés. Vous croyez que, non, moi, je vais commencer ma page. Et après 2 semaines, j'aurai 1 000 abonnés. Après 1 an, j'aurai 5 000 abonnés. Non, 1 an, c'est même beaucoup. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes parfois tombés dans les pièges des gens qui viennent avec des publicités. On vous dit, ouais, abonne-toi et achète le programme si. En 2 semaines, tu vas te commencer à te faire 3 000 euros le mois. S'il vous plaît, rentrez dans le travail de fond. Vous m'entendez? Le travail de fond, c'est quelque chose que tu fais parce que tu n'as pas peur. Tu n'as pas honte. Si c'est qu'aujourd'hui, je vais les faire frire les beignets, je vais vendre ici dehors. Je pars, je fais les beignets, je vends. Trop souvent, beaucoup de jeunes souffrent parce qu'il y a des choses qui sont... Tu vas voir un jeune là comme ça. Il te demande l'argent. Ouais, tu n'as même pas un peu d'argent pour moi là. Tu n'as pas un peu... Tu lui dis, ok, je veux voir ta journée. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Il traîne sur Facebook le matin. Il part un peu au magasin de sa tasse, de sa mère. Il s'assoit, il traîne un peu. Après, il cause un peu avec les gens. Et le soir, tu dis, mais attends, de toute ta journée, qu'est-ce que tu as fait qui peut attraper ton argent, sa main dans ta main? On est dans une génération où on nous a trop vendu des rêves. Beaucoup de personnes vous ont dit que vous êtes en Europe. Beaucoup. Votre seul but, quand vous n'avez pas l'argent, c'est que vous devez aller travailler pour quelqu'un. Il y a beaucoup de femmes entre vous là, vous savez préparer la nourriture.
Même dit que le dimanche, comme ça, tu vas préparer le tarot. Tu vends un peu. Non. Tu veux que le gars t'achète la voiture. Tu veux que le gars t'amène dans les grands restos. Sortez du quick fix. Que ça plaise. Vous savez que mes messages sont toujours Jacques. Quand vous allez entendre, vous allez seulement dire que ah, la fille, elle est encore sortie, c'est pas où aujourd'hui. J'ai une jeune demoiselle qui m'a contactée. Elle me dit qu'elle a commencé son truc, sa page. Si tu écoutes ceci, j'ai apprécié ta page. Mais je veux que tu comprennes que quand tu fais le bon travail, même si tu es n'importe où, les gens vont te localiser. Écoutez-moi bien. Fais le bon travail. Ne te casse pas pour dire que je veux aussi qu'on me connaisse. Ah, c'est même quoi ça? Je veux que non, non. Là, c'est un jour que j'ai dû comprendre. Bonsoir, jeune voix. Ce sont les choses que j'ai dû comprendre et j'ai dû apprendre. Au début, quand je venais de lancer la chaîne, si moi je me disais, ouais, voilà, bon, voilà, il suffit que j'appelle juste quelques Camerounais qui sont un peu connus dans la toile. Je pars, je les interviewe, je pars, je. Après, il me rend compte que tu finis d'interviewer, il n'y a rien. Tu finis tout. Après, personne n'aime ta page. Ou bien même si on aime, personne n'achète ton service une fois. Parce qu'il y avait un travail de fond qu'il ne voulait pas faire. Il y avait un travail de fond. Donc, le genre de travail de fond que tu rentres à l'intérieur. Si tu sais que je dois me discipliner sur mon temps. Même pour draguer, vraiment, je ne suis même pas dragable pour l'instant. Parce que je n'ai même pas le temps. Je n'ai même pas... Tout ce qui m'a contacté, si vous m'avez contacté récemment. Quand quelqu'un m'a dit que tu me plais, j'ai dit que bonsoir France. Justement que vraiment, est-ce que tu peux supporter? Notre génération a un travail de fond qu'on ne veut plus faire. Même le coaching, c'est même ça. Je veux que tu me donnes 5 techniques. Quand tu me dis que les 5 techniques là, ça te donne 15 000 euros le mois, montre-moi les 5 techniques. Pourquoi ça n'a pas marché? C'était de l'arnaque. Je mets le disclaimer. Disclaimer, ça veut dire l'avertissement. Ces techniques ne marcheront pas si vous êtes paresseux. Avertissement. Ces techniques ne marcheront pas si vous êtes paresseux. Avertissement. Ces techniques ne marcheront pas si vous êtes paresseux. Mon coaching ne fonctionnera pas si vous êtes paresseux. Et généralement, vous vous dites, bon, voyez, il suffit, je claque mes 400 euros là. Je claque ça et puis c'est bon. Oui, coach, je vais payer, tu payes. Première semaine, on donne le devoir. Coach, j'étais très occupée, tu sais. Il y a eu le chat qui a mis bas. Donc, il fallait que je parte à l'hôpital pour m'occuper. Après, il fallait que je nourrisse les enfants. Après, oui, il fallait que je parte à la mise en bière du cousin de ma tante. Après, il fallait que... Il y a eu des moments de ma vie où j'étais tellement paresseuse. Que je restais aussi, c'est que pourquoi quelqu'un ne vient pas me secouer comme ça? Il dit travaille, que travaille. Tu n'as pas l'argent parce que tu ne travailles pas. Sors du travail. Oui, coach, j'ai des idées. Tu as eu quel genre d'idées? Oui, de coiffer les gens. Mais tu vois, tu as eu l'idée. Quelle idée? Oui, j'ai l'idée de faire un peu à manger. Je vends ici dans mon coin. Parce que je vois qu'il y a des étudiants, mais ils ne connaissent pas préparer. Tu as fait quoi de ça? Ah, mais tu vois, moi, les cours sont quand même trop occupés. Ça me prend beaucoup de temps. Hein. Mais bon, tu vois, personne ne peut espérer avoir... Si tu vois quelqu'un qui a l'argent, la personne a travaillé, a accumulé l'argent là. Écoutez-moi bien. À moins que ce soit un Feynman qui est parti faire le grimba pour avoir sa part. Feynman, c'est-à-dire un escroc qui allait faire peut-être des fétiches pour avoir ce qu'il a. Et même si là, ça ne va pas durer. Apprenez à retrousser les manches. Vous faites ce qu'il y a à faire. Tuez la honte sur votre vie. Parce que quand je dis là, les factures ne sont pas payées là, ça met une honte encore plus grande. Mince, la honte de ça fait mal. Mince, on a coupé la lumière chez moi. Aïe, qu'est-ce qu'il veut me dire aux gens? Donnez pas même le cabane dans la voiture.
Donc il faut qu'elle dise aux gens que c'est parce que non, il y a eu tel problème sur la voiture. Tu vois, moi, on ne peut pas quand même dire que non, non, je dis qu'elle va à l'argent pour le carburant. On m'a parlé d'un monsieur très fameux. Je ne veux même pas citer le nom, je ne veux pas allusion qu'on croit qu'il connaît le monsieur. Il avait beaucoup d'argent. Avec son argent, il n'a pas investi sur ses enfants. Il était le genre d'argent que, mince, partait en Europe tous les années. Partait en Europe tous les années. 20 ans plus tard, l'argent finit. La compagnie fait faillite. Que même le carburant, c'est quelqu'un qui est très proche à la personne, qui me disait toujours. Parce que la personne en elle-même, ouais, genre, quand vous voyez des personnes que vous avez respectées en grandissant, quand vous grandissez, vous êtes adulte, la personne vous contacte. Bonsoir Max, c'est quoi non? Ta tête chauffe ou quoi? Quand là, vous grandissez, vous voyez la personne vous dit que non, ça c'est quand même un tonton, c'est un pacha, non, lui là. Pff, que même là, du carburant, il n'a plus. Même le carburant, même dans la voiture là. La voiture là, c'est costaud. Mais il n'y a pas la chambre de carburant dedans. Quand il dit que les choses que vous semez, ça va vous revenir. Max Foster, tu as fait quoi dans la journée? Ma chérie, ma demoiselle, madame, jeune homme. Là où tu es là, tu souffres financièrement. Parce qu'il y a plein de choses que tu as refusé de faire. Parce que tu as jugé que c'était au-dessous de toi. Que tu étais au-dessus. Et comme tu as jugé que tu es au-dessus, maintenant, tu es en train de souffrir. Vous savez psychologiquement le bienfait que de savoir que tu as l'argent, ce que ça fait. Ousmanito, j'espère que vous allez mettre en pratique, non? Moi, c'est vrai que là, chaque soir, je n'ai que parler. Je vais que... Max, ta vie, tes affaires d'un peu... Tu as prié. Quand tu pries, le Seigneur te donne l'assurance. Maintenant, tu sors, tu peux agir. Je ne fais pas partie des gens qui se comprennent, on attend que le Seigneur agisse. Mm-mm. Tu pries. Et parfois, quand tu pries, tu as une vision plus claire de ce que tu veux faire. Ah oui, ok, oui, oui, voilà, ouais, oui. Après, tu peux pas faire. Donc, c'est important. Dans notre génération, c'est rare de voir les gens qui sont... Tu vois, tu es une jeune fille de 22 ans, elle te dit que j'ai économisé 15 000 euros. C'est rare. Parce que très souvent, ce sont les jeunes filles. Les jeunes filles aujourd'hui, on les appelle les panthères. Ce sont les jeunes filles que, quand elles te regardent ça là, elles veulent seulement te déplumer. Plumer ton argent. Bonsoir, bonsoir à tout le monde et merci pour le partage, pour ceux qui partagent mes vidéos. Je vous remercie vraiment, je vous suis très reconnaissant. Donc pour le peu de temps que je fais là, pour les efforts que je fais, merci de partager les vidéos, vraiment. Que le Seigneur vous bénisse dans votre partage. Que le Seigneur vous bénisse dans votre partage. Voilà, voilà ma prière pour vous. Pardon pour mes affaires, je sais que Dieu t'écoute. Vous savez, moi, dans ma prière, dans mes prières, j'aime prier de façon effective. Genre, ok Seigneur, je prie pour les affaires de Max Foster. Premièrement, je ne suis pas sûr que Max est ton nom. Je suis honnête avec vous, c'est comme ça comment il fonctionne. Je ne suis pas sûr que Max Foster, c'est vraiment ton nom. Deuxièmement, tu m'as dit que tes affaires, c'est trop et très vague. Ce n'est pas parce qu'on sait un Dieu qui est omnipotent qu'on va venir à lui comme si... Tu es parti à la cour pour défendre ton cas contre quelqu'un. Tu arrives, tu n'as pas de preuves. On demande ton avocat où tu dis, ah, maître, ah, il n'est même pas venu, monsieur le juge. C'est encore quoi l'affaire là? Non. Tu dois venir préparer. Préparer. La Bible, c'est un truc que tu dois faire. La prière, tu dois faire une pétition. Tu montes une pétition. Tu amènes devant le trône. C'est pour ça que vous avez dit que Dieu écoute. Dieu m'écoute vite. Dieu m'écoute vite. Non. Parce qu'il y a le protocole. Vous allez faire encore enseigner sur les trucs spirituels aujourd'hui. Il y a le protocole sur ça. Et beaucoup d'entre vous avez simplifié Dieu. Il y a le protocole pour la prière. Vous ne savez peut-être pas.
Je me couvre d'abord du sang de Jésus. Parce que Dieu ne tolère pas la saleté. Peut-être dans la journée, tu as papoté avec je ne sais pas trop quoi, tu as fricoté avec des gens. Ouais, mes affaires ne marchent pas, mes affaires ne marchent pas. Tu as fait le faux, tu as même escroqué 2-3 personnes. Ah. Non, parce qu'il y a des gens qui connaissent le protocole de Dieu, le processus. Et il y en a parmi vous, vous venez seulement à Dieu pour qu'il bénisse. Dès qu'il bénit comme ça, zip, tu as fait comme bim bim, tu as fui. Vous vous connaissez, on se connaît. Moi-même, il y a des mois, je suis venu à Dieu et dit que Dieu, donne-moi ça. Donne-moi. Dès qu'il donne, Dieu, est-ce que c'est même Dieu qui m'a donné ça? La vie, c'est trop belle. Moi, je peux faire l'argent. Moi, je peux avoir de l'argent. Mais je suis belle. On peut m'épouser. Donc, vous devez savoir que le but de la bénédiction de Dieu, ce n'est pas... Il cherche celui qui bénit, pas la bénédiction. Et Dieu veut développer une relation avec vous. Une relation qui va sur le long terme. Je connais Dieu, j'enseigne Dieu à mes enfants. Mes enfants connaissent Dieu, ils enseignent à leurs enfants. Eux aussi connaissent Dieu, ils enseignent à leurs enfants. Donc la première chose, comme tu as donné ton vrai nom, c'est bien. Première chose, tu dois avoir clairement ce que tu veux. Parfois on vient à Dieu, on ne connaît pas ce qu'on veut. Dieu résout mes affaires. Et tu sais qu'à la fondation des affaires là, tu avais menti. Il y a des gens qui me disent, ah, prie pour moi, pour le Ngunda. Tu as menti pour le Ngunda, non? Pourquoi tu veux que Dieu me... Pardon. N'appelez pas le nom de Dieu sur moi, pardon. Pardon. Pour ceux qui ne connaissent pas le Ngunda, c'est les gens qui sont partis, ils ont menti. Ils ont menti sur leur âge, ils ont changé leur âge, ils ont menti sur leur histoire pour qu'on leur donne les papiers en Europe. Donc tu viens à Dieu peut-être... Les papiers que tu as. L'autre jour, un de mes fils priait pour une fille. Il inaugurait son fils, son ministère. Donc, il prie pour une dame. Il dit que enfin, le Seigneur lui révèle que ta fille, là où elle est bloquée parce qu'elle a deux actes. La fille m'a fait rire. Elle a deux actes. La mère a dit oui, moi j'avais fait un autre. Elle dit même que oui, j'avais fait le deuxième acte pour mon enfant. Oui, c'est moi qui avais fait. Dit que là maintenant, même si elle a n'importe quel diplôme avec l'acte là, pas déchiré, annule tout le deuxième truc que tu avais fait. Max Foster, rentre à la racine, tu vas voir. Si je te parle, je te pose la question. Je vais voir qu'à un moment, quelque part, tu ouvres une porte. L'enfant de Dieu, le diable n'entre pas dans la vie de l'enfant de Dieu n'importe comment. Non. Parfois, il y a les portes des parents que vous n'avez pas fermées. Tu es là comme ça, les hôtels des parents. Tu es seulement là comme ça, comme un aveugle. Tu marches. Quand tu viens dans la prière, jeûner, acheter Jésus. Vous êtes chrétien, christianisme là. Ça, c'est tout des blancs. Vous marchez seulement comme ça. Coutou. Rien ne marche dans la vie. On avance. Et parfois aussi, vous avez la paresse. Tout ça là, j'ai fait. Une paresse là que c'est dans toi. Donc, moi, je ne peux pas faire le jardin. Je ne peux pas faire ça, moi. Moi, je fais des nettoyages, moi. Non, moi, je ne peux pas nettoyer. Hein, je ne peux pas. Si ce n'est pas un boulot où je travaille avec l'ordi, moi, je ne le fais pas. Hein, moi, je ne peux pas. Ah non, désolé, monsieur. Tu pars au boulot le premier jour. On te donne le travail, tu vois ça, tu fuis. Tu dis que non, le Seigneur va me bénir. Donc, checker si vous avez des problèmes chroniques qui ne partent pas. Souvent, pourquoi vous croyez que quand les gens nous parlent, après, ils disent que il faut qu'on te lave au village. Toi-même, tu dois t'asseoir. Seigneur, voilà ma situation, ça n'avance pas depuis. Tu dois faire quelque chose, Seigneur. Je suis fatigué. Tu as commencé à te dire, ma chérie, tu as une idée. Hein? Jeune. Engage un jeune. Tu es jeune. Pendant le jeûne, là, tu tombes sur une prédication qui t'ouvre les yeux. Et tu vois des versets dans la Bible qui te montrent exactement comment tu vas déclarer sur ta vie. Tu es dans ton jeûne. Tu ouvres ta bouche toi-même. Que toute personne qui a enterré ma destinée, tout endroit m'enfermé, selon Luc chapitre 4, verset 18, je viens me sortir de ce fossé.
toute prison dans laquelle on m'a enfermée, même si je me suis enfermée moi-même, je viens encore me sortir de là moi-même. La Bible dit, Luc chapitre 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi et sur vous qui avez accepté Jésus. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc même la pauvreté là, ce n'est pas votre portion en Jésus. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça fait 5 ans que vous êtes séparés de la personne. Vous êtes toujours brisé. Ça fait 12 mois que vous êtes séparés. Vous êtes toujours comme si rien ne... Mince. Dès qu'on parle, on prononce son nom comme ça, la douleur, douleur. Pour proclamer aux captifs la délivrance, je proclame moi-même sur ma vie. Je proclame la délivrance. Ah, tu te prends pour qui? Il te faut un pasteur, hein? Il te faut un prêtre exorciste. Hein? Vous là, vous passez le temps à aller voir les prêtres exorcistes là. Jésus vous a donné le pouvoir. Hein? Je suis arrivé l'autre jour. Okay. Quand ce fils-ci prêchait, le Seigneur lui a révélé. Bonsoir, maman Martine. Le Seigneur lui a révélé. Merci, Max. Le Seigneur lui a révélé le processus des gens qui partent chez les marabouts. Je vais vous expliquer. Chaque fois que je peux écouter ce jeune homme, c'est un jeune homme de 28 ans comme ça. Il est... Il dit donc, quand je pars chez les marabouts, je sais que vous ne partez pas chez les marabouts, hein. OK. Bon, quand tu arrives chez le marabout, généralement, il te dit, enlève tes chaussures. Tu enlèves. Comme Moïse a dit Dieu a dit à Moïse, enlève tes chaussures. Tu enlèves. Ton pied, tu déposes dans son endroit, tu marches. Tu marches. Ton corps supporte ton énergie. Dès que tu déposes, tu as tes empreintes. Il y a les empreintes, il y a l'ombre. Tu déposes, il y a tes empreintes qui restent, tes empreintes spirituelles, appelez ça comme vous voulez. Ce n'est pas pour rien que quand tu marches dans la terre, physiquement même tu vois déjà. Vous savez que vous avez une odeur spirituelle, non? C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a des gens qui prennent... je sais pas comment je me retourne en train d'enseigner ceci. Bon, il y a des gens qui prennent... qui peuvent te donner une odeur nauséabonde. Il peut te donner une odeur nauséabonde. Donc, du coup, tu sais pourquoi les gens qui restent à côté de toi, on te fuit aussi un peu comme ça. What are you looking for? Michel, what are you looking for? Pardon? Pardon? Non. Are you studying? Hein? Have you finished? Excusez-moi, s'il vous plaît. Have you finished? Mm-hmm. It's quite late. I think you should go to bed now. Je parle des marabouts. Elle est sur Google. Elle a tout de googler les marabouts. Comme on l'a jamais amené là-bas, elle ne connaît pas. Donc, là, voilà. Vous déposez vos empreintes. Excusez-moi, les soirs, je suis assez relax. Je ne suis pas... Donc, vous déposez vos empreintes, vous vous asseyez ou bien. Il vous demande maintenant de l'argent, supposons. Vous prenez l'argent, vous, il prend l'argent, il dépose au sol. Vous vous rappelez, j'ai dit la terre, le sol. Vous déposez au sol. Tout argent qui sort de votre poche garde l'empreinte de votre poche. Ça garde le chemin retour vers votre poche. C'est les marabouts qui sont connectés. Là, vous savez de quoi je parle. C'est un peu comme quand tu prends ton téléphone, tu passes un appel. Je marche en route, je vois qu'un homme, je prends son téléphone, je compose ton numéro. Tu ne décroches pas. Quand tu reviens, tu vois le téléphone. À partir de ton téléphone, tu peux revenir en arrière pour tracer l'homme. Donc, c'est comme ça que quand tu prends ton argent, tu peux donner quelque part, spirituellement. Si on dépose cet argent-là dans un endroit qui n'est pas bien, ça peut retrouver tes poches. Voilà. Donc, tu arrives, tu donnes ton argent, il dépose au sol. Donc. Après, il te dit, il ne parle pas lui-même. Hein. Il te dit, viens ici, tu te mets. Parle. Ceux qui sont en partie, vous connaissez de quoi il parle. Lui, moi, telle personne, lui, de blablabla. Soit il te dit, pas faire le tour de telle chose, contourne tel endroit, arrive à toi-même, tu dis. Parce qu'ils connaissent le pouvoir de la parole, ils connaissent le pouvoir de l'argent, des dons. Après, on prend le cocorico que tu as apporté. Il tue. Il prend le sang.
le sang, il verse, il dit qu'il donne aux ancêtres. Il y a beaucoup d'Africains qui m'écoutaient. Ça, ce sont les choses que, si vous êtes d'origine africaine, on a très sûrement, vos ancêtres ont très sûrement fait ça sur vous. Donc, si vous n'êtes pas traditionnaliste, vous pouvez écouter ceci. Mais si vous êtes traditionnaliste, ceci va peut-être vous énerver. Donc, il prend le temps, le sang. Donc, on a ici l'argent, on a la parole, on a le sang. Après, maintenant, tu fais, après, il te dit peut-être que, ok, après, il prend l'eau, il met un peu quelque chose dedans là, il tourne, il te dit, va, tu te laves. Tu pars maintenant, tu te recouvres. Tu mets ton. Tu te couvres, tu mets une onction sur toi. Tu sors de là. Tu pars chez toi. Quand tu pars, l'argent que tu as laissé là, il prend ça. Il déchire. Il met dans la marmite. Il prend la viande que tu as apportée là. Il découpe. Il met dans la marmite. Il prépare sans sel. Quand le gars, quand il a révélé ça, ça me dit, je suis ça, j'ai dit, waouh, ça, ça a du sens. Il y a des révélations très puissantes. Il met dans la marmite sans sel. Il prépare. Il dit que comme je prépare ta vie comme ça, ta vie n'aura plus le goût. Comme je prends son argent comme ça là, je prends toutes ses bénédictions. Après, il prend ça, peut-être une portion de cette nourriture là. Il mange. Comme je mange, on sait, il mange tes bénédictions. Parce que tu es venu dans l'endroit là, tu as fait. Et tu as fait, tu as laissé tes empreintes, tu as laissé ta parole, tu as laissé ton argent, en fait, tout de toi. Et après, tu t'es même lavé encore, en déclarant ce qu'il t'a déjà déclaré. Tu arrives chez toi, on t'avait dit que 9 jours plus tard, tu vas voir les manifestations. Tu attends. Tu attends. Tu attends. Ça empire. Surtout si vous êtes chrétien, n'essayez pas. N'essayez même pas. Parce que quand tu ouvres ta porte à Satan et tu as accepté Jésus, oh là là, Satan va te gifler comme ça que toi, tu vas regretter que, hey, hey. Tant tu vas confirmer. Accident ou peut-être quoi, je sais pas, tout dans ta vie, tu mets. Il faut que tu retraces. Va dans la prière, dans le jeûne, Max. Demande à Dieu de te révéler. C'est que de nos jours, on croit que Dieu ne parle pas. Ah, moi, je ne peux pas. Bah, tu veux comme ça dire que je vais demander à Dieu, tu vas me montrer. Tu vois, donc, il va me montrer. Jérémie 33, verset 3. Ce n'est pas moi qui dis. Prenez parfois Dieu dans sa parole. Dis que Seigneur, tu as dit, tu vas seulement me montrer. Ce n'est pas moi qui écris la Bible, Dieu. Ce n'est pas moi qui écris la Bible. Tu as écrit, tu as donné. Donc, comme je vois, tu as dit cela. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Arrêtez de croire que Dieu ne parle pas. Seigneur, révèle-moi mon potentiel. Seigneur, dis-moi, tu m'as appelé, tu m'as créé pour quoi? Peut-être parfois tu vas faire un rêve. Ou bien tu vas rester comme ça là. 2 jours d'affilée, 2 personnes vont te dire que pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais pas le business ici? Tu es tellement doué dans ça. Première fois d'abord, tu dis ah non, non. Ah c'est seulement, non, non. Ah moi c'est seulement, non. Mais c'est seulement, c'est seulement un petit truc que je fais naturellement, non. Le lendemain, quelqu'un vient encore te dire. Voilà la révélation du Saint-Esprit. Oh, oui, j'ai demandé au Seigneur de me révéler mon potentiel. Waouh. Waouh! Waouh! Merci Seigneur. Parfois, il y a des gens qui bonsoir et disent merci. Il y a des gens parfois qui dorment. Ils se voient dans une, peut-être faire des conférences. Ils se voient peut-être en train de. Dieu en train de vous montrer. Parfois en train de voyager. Parfois en train de brasser beaucoup d'argent. Tu te réveilles comme ça, là, tu te rappelles que ton compte bancaire est vide. Quelqu'un a volé quelque chose quelque part. La Bible dit que le diable vient pour égorger, pour dérober et détruire. Voilà. Donc Max, je crois que j'ai répondu à ta question. C'est vrai que mon sujet initial, j'ai dérouté totalement de ça. Mais bon.
L'importance de ne pas tourner en rond et de lancer son activité. Ouais. Il est primordial pour vous, s'il vous plaît. Le diable va attaquer, va vous attaquer en mettant le découragement concernant vos finances. Il ne faut pas qu'elle commence le business là. Tout récemment, il y a un business que j'ai voulu commencer. Mince! Mince! Attaque! 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 Donc, j'ai fait 2 semaines. La bailleuse faisait un peu comme ça là. J'ai fait 2 semaines de. Je disais que non, je suis une chrétienne, je vais pas quand même. Bon, je me suis levée ce matin. Il dit fire! Fire! Que ça dit que fire, elle a fait la droite. Pense aujourd'hui. Ça a tellement dérangé la personne là où elle était. La personne s'est déplacée. Vous ne devez pas douter, ne doutez pas de votre pouvoir. La personne s'est déplacée et est venue. C'est là qu'il y a eu du face à face. Et c'est là que j'ai reçu ma liberté pour faire ce que j'avais envie de faire. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous évoluez gratuitement comme ça là. Moi, je suis là comme ça, je suis malheureuse chez moi. Et toi, tu viens, belle comme tu es là, jeune comme tu es là. Tu dis que tu peux faire quoi? Tu dis que tu peux faire quoi? Je vais te frustrer. Je vais te frustrer. Tu restes comme ça là. Tu essayes, tu commences un peu, après tout ton âme disparaît. N'oubliez pas que le diable aussi lui-même il était quand même derrière. Mais vous devez comprendre que vous avez la victoire. Quand Dieu vous donne une vision, ça ne sera pas facile le premier jour. Mais comme j'ai rêvé, je me suis vu entrer faire la conférence. Ma première conférence, tada, 5000 personnes. Je savais que je peux le faire. À nuit, je savais. Ma première conférence, je l'ai organisée en décembre. Donc, septembre 2016, j'ai annulé après. Après, j'ai dit décembre, j'ai annulé. 2017, j'ai dit septembre, j'ai annulé. Je vais vous dire comment la peur a joué sur moi. Je suis parti, j'ai un peu joué la vie. J'ai un peu laissé mon appel. Quand la vie a commencé à me jouer aussi, à me tabasser correctement. J'ai organisé l'autre encore, juillet 2018. C'était le feu. J'étais en train de prier un matin parce que quand je suis vraiment dans ces routines-là, debout chaque jour, 4h30, lecture, et le temps-là, je ne travaille pas le matin, donc je ne faisais pas le direct. Ça fait que je lisais, parfois je lisais de 4h, je me lève à 4h, je prie, après je commence à lire. Je lis parfois de 5h30 jusqu'à 8h, 9h. Parfois le jour se lève, même c'est quand j'ouvre la fenêtre, après qu'il voit que. Le Seigneur commence à me parler clair. Voilà ce que je veux que tu déclares. Le moment d'ouvrir la mer rouge devant mes enfants est arrivé. Tous ceux qui vont saisir et qui vont se présenter dans cette conférence, leurs destinées sont ouvertes. Et là, c'est ça, c'était le feu. J'ai fini ma première conférence. Peur encore. Peur. Attaque. Doute, finance. Ce n'est pas parce que Dieu vous a appelé à faire quelque chose que ça va se faire. Proposition indécente. Vous savez vous-même que quand je fais comme ça, je mets le make-up, je mets un peu comme ça, là, je marche comme ça, quelqu'un me voit en route. Il dit que, hey, mamie, tu as la couleur du taxi. Ma chérie, hey. Et si tu n'es pas fort mentalement et spirituellement, tu vas dire, mais attends, mais je suis en train de réfléchir comment je vais faire pour rassembler les fonds, pour ouvrir tel truc. Alors que la personne, s'il veut tout me donner une fois, non. Tu regardes ton intégrité. Tu regardes la personne. Intégrité. Intégrité. Seigneur, excuse-moi. Parce qu'il n'y avait pas un désir d'attendre. Ce qui se passe quand j'attends, c'est quoi? Le Seigneur travaille à l'intérieur de moi. Je ne dis pas que c'est la volonté de Dieu que tout le monde attende. Mais quand j'attends, il travaille à l'intérieur de moi. Il travaille à l'intérieur de moi. Il y a des choses dans le fin fond de vous que peut-être vous n'aimez pas lire, vous ne voulez pas lire. Vous n'aimez pas vous discipliner.
Ah, pourquoi moi, pas me discipliner. Tu fais deux jours, tu t'arrêtes. Tu fais deux jours, tu t'arrêtes. Tu fais deux jours, tu t'arrêtes. Yo-yo. Un temps, tu perds un peu le poids, les abdos commencent à sortir. Quand ça vient à sortir, là, après, piou, tu manges encore pendant un mois comme ça. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que ça ne sera pas. Il y a des choses à l'intérieur de toi qui veulent changer, à ta racine, que Dieu veut changer. Et quand il change ces choses maintenant, tu vas voir que ça sera différent. Voilà. Donc aujourd'hui, waouh, l'enseignement s'y passe tellement vite. Ça fait presque 40 minutes que je suis en train d'enseigner. Bon, j'espère que c'est passé, le message est passé, que ça a été compris. Donc si vous êtes nouveau sur la page, inscrivez-vous s'il vous plaît. Ou c'est quoi là? Likez la page. Partagez le direct avec quelqu'un à qui ça va aider. Faites pas la jalousie. Vous savez qu'il y a des gens qui arrivent à voir sur votre page, ils disent que bon voilà, si j'aime sa page, elle aura les abonnés. Pourquoi elle doit lui donner les abonnés? Moi je dois les abonnés, pourquoi? Dépassez ça s'il vous plaît. À des bègues. Qu'est-ce que j'avais encore dit? Je pense que c'est tout pour ce soir. S'il vous plaît, mettez le travail. Arrêtez de vous ralentir. Arrêtez, mettez le travail. Put the work. Mes journées se terminent à 23h. Commence à 4h30. Après, quand vous allez commencer à vous discipliner, à structurer vos journées, vous allez voir que la prochaine étape, ce sera de mettre les choses de valeur. En une heure, parfois, tu vas faire quelque chose qu'avant, ça te donnait. En une heure, tu vas accomplir un travail qui va te donner un mois de salaire. Parce que tu vas commencer à valoriser ton temps. Valoriser ton temps. Travailler d'abord. C'est le travail qui paye. Donc pour les pampampés, les jeunes familles, moi je ne peux pas faire ça, hein, je ne peux pas. Moi je ne peux pas, moi je ne peux pas. Moi je ne peux pas faire ça. Ah non, moi je ne peux pas nettoyer. Hein. Moi je ne peux pas, tu m'envoies nettoyer les toilettes, moi je ne peux pas. Je peux pas nettoyer les toilettes, moi. Mais non, moi je ne peux pas. La Bible dit que tout ce que ta maman trouve à faire, fais bien. Fa poupon, ding là. Parce qu'il y a les éthiques de travail, il y a les règles que si peut-être c'est l'excellence et que tu balais la cour, tu balais tellement bien. Il y aura les gens qui vont souvent marcher. Donc ils viennent s'asseoir dans le bar qui est en face de votre truc, ils regardent seulement comme ça. J'aime voir quand le gars s'est balayé la cour, franchement. C'est tellement bien. Waouh. Waouh. Quelques temps plus tard, 5 ans plus tard peut-être, tu te retrouves en tant que manager. Le boulot de manager là, tu vas faire bien. Parce que quand on embauche, il y a des éthiques de travail, il y a des règles, des valeurs fondamentales que je peux te former, mais je ne peux pas mettre ces valeurs dans toi. Si tu n'es pas honnête, si l'honnêteté n'est pas dans tes valeurs, peu importe ce que je dis, tu ne pourras pas être honnête. Je vais te donner tous les trainings. Je vais t'envoyer moi à Dubaï te faire former. Dès que tu vas revenir, tu vas vouloir encore mentir. Tu vas vouloir encore jongler. Et ça ne servira à rien. Bonsoir Madame Conchou. Bonsoir Chimé. Ça ne va servir à rien du tout. Parce que là, le mensonge, c'est une valeur qui était là. Ça a dilué la potion. Et on n'a pas besoin de mentir pour s'en sortir. Ce n'est pas l'escroquerie qui va faire que... Ce n'est pas les 10 euros que tu vas prendre au-dessus de la personne. Ce n'est pas ça. J'ai eu des moments où j'ai rendu des services tellement bien. La personne vient, le pourboire que la personne me donne, j'ai dit, mais waouh. Waouh. Tu me donnes tout cet argent-là. Oui. Parce qu'en fait, quand je vois l'esprit d'un escroc, hein, je dis, ouais. Ouais. Pourquoi tu ne m'as pas aussi dit? Pourquoi tu n'as pas besoin d'escroquer? Ce qu'il voulait me donner, c'est même plus que ce que tu as pris là. Là, tu as gâté ton nom. Tu es parti. Parce que je ne t'appellerai plus. Pas avec l'argent. On va voir si dans 2 ans, tu auras encore ça. On va voir. Je t'appelle dans 2 heures. On va voir. Et les gens qui prennent... Vous prenez le faux argent là. Vous escroquez les gens. L'argent là va passer dans vos mains comme ça là. Donc, remettez vos valeurs, s'il vous plaît. Mettez des valeurs de base. Mettez des valeurs de base. Travaillez, pardon. Le travail paye. Le travail. Et dans le travail, les gens aiment que... Moi-même, j'ai des gars ici au quartier que... Quand je sors le soir, je connais que je veux... Si je veux ça, je trouve là-bas. Donc, si le gars là n'est pas à son poste le soir, là...
ça va me faire un genre. Imaginez les gens qui ont besoin du service qui est à l'intérieur de vous. Mais vous n'avez pas encore mis. Vous mettez de temps en temps. Vous voyez par exemple là, si je ne me connectais pas, vous allez aller sur Facebook 21h, 21h05, 21h10, elle n'est pas connectée. Oh là là. Vous voyez un peu ça, hein? Développez la diligence, la fidélité dans ce que vous faites. Que chaque jour, vous êtes là-bas. On monte, on descend. Les jeunes, aujourd'hui, quand tu vas embaucher, ouais, assurez-moi d'abord mon salaire. Viens, tu fais d'abord le travail, on voit. Et n'achète pas la poule dans le sac. Mais le Cameroun m'a appris des choses. Hein. Avant qu'il vienne, tu parles bien, moi, je te donne d'abord l'argent. Après, je vois. Et pour être honnête avec vous, j'ai toujours eu peur de m'installer au Cameroun. Hein. Je me disais, oh là, au Cameroun, on va t'escroquer jusqu'à. Ah, au Cameroun, on va. Je ne sais pas, il n'y a rien de. C'est juste des êtres humains comme avant, comme là-bas, comme en Europe. Ouais. Ayez juste la foi que ça ne va pas vous influencer. Ouais. J'ai fini. Mais je ne vais pas raccrocher. Si quelqu'un a une question, il peut la poser. Dans tous les sens, peu importe la question. Il reste 5 minutes avec vous. Et vous voyez alors, quand on va dire question, on n'est pas posé. Bonsoir Mostafa, comment tu vas? J'attends vos questions. Oh, moi. Super. Je laisse encore 2 minutes de temps pour vous écrire vos questions sur vos claviers. Si vous en avez, bien sûr. Juste en passant, quels sont les sujets qui vous préoccupent aussi? Parce que j'ai commencé à enseigner sur la vision ce matin. La vision, les leaders, qui est-ce qu'on est, pourquoi est-ce qu'on est là, notre potentiel, comment découvrir notre potentiel, comment arriver à atteindre nos objectifs. Donc, de tout ce que j'ai cité là, s'il y a des choses en particulier avec lesquelles vous avez vraiment de la peine, genre, qu'est-ce qui vous bloque maintenant là? Qu'est-ce qui vous bloque là? Pourquoi vous n'êtes pas... Qu'est-ce qui vous bloque? Quoi? Merci Jeanne, Carole. Oui, Mostafa, je suis à la fin. Je fais 21h tous les jours, sauf le dimanche. Le dimanche, je suis en train de... Si tout marche bien, j'aurai une connexion plus efficace, plus forte d'ici la fin de la semaine. Là, je pourrais maintenant interviewer en direct. C'est la dernière fois que j'ai essayé d'interviewer en direct. La connexion n'était pas bonne. Je fais dans quoi? André Ndia. Je fais dans quoi? Je fais dans le développement personnel. Ok André, j'aide les gens à atteindre leurs objectifs, découvrir leur potentiel d'abord, développer leur potentiel. Et puis si tu as d'autres business au Cameroun, tu me vois en aparté. Ok, je suis consultante dans l'entreprise, je fais des formations en vente. Si tu as un staff qui n'est pas compétent, je viens, je te passe 2 jours dans ton entreprise, j'analyse l'entreprise et on voit comment on va faire, augmenter les performances de tes employés. C'est bon? Des fois, on ne sait pas ce qui nous bloque malgré le respect de ce qu'il faut pour découvrir le talent de sa destinée. Non, ma chérie, tu dis comme ça, là, beaucoup d'entre vous, vous êtes paresseux. Je suis désolée. Il y a une jeune fille, peut-être tu écoutes. Elle a, je me rappelle, c'est une jeune fille au Sanadon. Elle m'appelle, elle m'a grande soeur, tu es la grande soeur. Oui, elle a peut-être 1 an et demi, je me rappelle quand j'étais encore à Reims, en France. Elle me contacte. Oui, voilà, grande soeur, vraiment, je suis vraiment motivée, je veux faire. Maintenant, bon, j'ai les dragueurs. J'ai fait comment? Je veux les gens qui respectent l'Esprit de Dieu. Oui, j'ai passé 1 heure, je m'appelle dans le bus de temps. 1 heure pour conseiller la fille. Je me rappelle, j'ai parlé, parce que je voulais, il faisait soleil. En même temps, il faisait froid. Ça m'énervait parce qu'elle était à l'arrêt de bus. Je disais, mais c'est quoi ce climat à la con là? Et puis, je finis. Elle disparaît. Elle est perdue. Bonsoir, Gisèle. Elle disparaît.
peut-être 4 mois plus tard, il revient, quoi, il essaye. Après, il disparaît. Et déjà, les personnes aiment seulement les conférences. Vous aimez seulement les conférences parce que quand vous venez à la conférence, on vous booste. Ouais, 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 ouais. Quand vous finissez, vous rentrez à la maison. Vous revenez sur Facebook de façon casual. Casual, you know. Ouais, on t'écoute. Ouais, coach, c'est bien. Coach, c'est bien. C'est pour ça que j'ai lancé les programmes que je fais maintenant. Je ne travaille qu'avec ceux qui sont prêts à vraiment changer. C'est pour ça aussi que ça ne coûte pas 5 francs. Donc, je suis vraiment contente. Ça me... I don't like it. Après, il y a cela... Un mois et demi, elle me recontacte. Un jour, elle me contacte, mais elle me dit qu'elle est sur le chemin pour venir à Douala. Qu'elle arrive, elle m'appelle, elle va venir à un de mes ateliers. Elle marche. Donc, j'attends la fille. On attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. Bonsoir, Bianchi. J'ai attendu la fille. J'ai commencé la télé. J'ai fini la télé. J'appelle, mais son téléphone ne passe pas. Après, elle me dit qu'elle avait perdu sa carte d'identité. Elle a oublié sa carte d'identité à la maison. Elle a dû rentrer chercher. En fait, une histoire. J'ai dit, ok, pas de souci. C'est toi qui veux le changement, c'est pas moi. Je ne veux pas courir derrière toi. Elle me contacte encore 2 mois après. Ces 2 mois-là, c'était en janvier ici. Je veux, coach, je veux. Je dis, ok. Les rabais, là, je ne suis même plus sur ça. Parce que quand quelqu'un ne peut pas te payer, ne rabaisse pas pour lui, pardon. Ne paye même pas ton temps. Il n'est juste pas prêt. Je dis, ok, ouais, la petite fille, là, elle. Je rabaisse donc. Je la mets dans l'atelier. Elle arrive à la première séance. Je l'ai mis, j'ai aussi mis une autre petite là qui a 22 ans. Les deux arrivent à l'atelier. Et moi, c'est là, je suis le fire. Cet atelier-là, j'avais mis le challenge en 2 séances. Vous allez créer votre service. Vous allez créer un service que vous allez mettre aux gens. Premier atelier, c'était 4 heures de temps. Je les prends. Puis je vais à Mougou. Tu veux commencer un commerce café. Attends, je vais arriver sur toi. J'arrive. Piaba. Yap. Tu as compris. Tu es peut-être de boulot et tout. Tu ne comprends pas le badinet. Attends, et j'arrive. Je vais parler de toi. Donc voilà la jeune fille qui arrive à l'atelier. Elle se connecte. Mince. Stop doing that with your teeth. That's not nice. I don't know where you got it from, but you removed that from your habits. Et là, elle arrive, donc elle se connecte. Elle fait 1 heure. 2 heures. Les devoirs qu'on donne. Psychologiquement, elle n'était pas prête. Ouais, tu vois, coach, non, je veux que. Ouais, je veux découvrir mon potentiel. Concrètement, comment? Non, je veux changer le monde. Concrètement, comment? Si vous avez été dans les ateliers avec moi, je ne parle pas le rah rah rah. Je veux que quand tu arrives, que je voici comment je vais changer le monde. Je vais faire ceci. Quand les gens vont venir, ils vont entrer comme ça, ils vont sortir comme ça, comme ça, comme ça. Concrètement, non coach, non, tu vois, moi je veux courir, je veux accomplir ma destinée. Quitter avec les slogans là. Je veux accomplir ma destinée. Comment donc? Parce que j'ai un processus carrément dans lequel, par lequel je vous rends. À la fin, elle n'est pas venue au deuxième atelier. Elle n'est pas venue. L'autre jeune fille aussi de 22 ans à qui j'avais donné l'accès et qui elle avait payé une certaine somme, peut-être la moitié comme ça. Elle arrive au milieu de l'atelier et dit que c'est trop fort pour elle. Elle dit que c'est trop fort, elle ne peut pas supporter. Et que parce que vous aimez la paresse, vous aimez seulement écouter comme ça là. Vous ne faites rien après. Donc vous allez fermer le direct, c'est après. Rien. Demain encore, vous vous levez. Vous devez encore rien. Pensez vraiment que vous allez accumuler l'argent en regardant en direct. Donc vous finissez de regarder comme ça, après vous ne prenez aucune action. Vous ne faites rien de concret. Donc vous ne faites. Donc, ok. J'ai écouté, coach. Ok, on fait quoi maintenant? Il a dit concrètement que fais ça. Après, tu fais ça. Je vois les résultats avec mes coachés. Donc, j'en prépare encore. Et comme elles sont toutes en Europe là, vous allez seulement faire un témoignage, vous allez m'envoyer ça. Et vous allez voir les vidéos, je vais poster ici là. Vois les résultats. Il y en a avec qui j'ai commencé après 10 jours. La personne dit waouh. Waouh. Je ne savais pas. Voilà les choses que je pensais. Je voulais faire toujours, mais je ne faisais pas. Waouh. Waouh.
Parce que je veux que vous entrez vous-même dans un changement profond. Une discipline profonde. Disciplinez-vous. Arrêtez votre temps. Quand je rentre du boulot, je vais faire ça. À l'heure là, tu es fatigué, ton corps fait mal. Tu ne veux pas, tu n'as pas envie. Tu veux regarder les nouvelles là, tu veux regarder le match. Mais tu te lèves, tu pars, tu fais. Parce que c'est l'action qui va porter le résultat. Ce n'est pas les paroles, pas les promesses. Ce n'est pas ce que tu connais de tel coach. Connaître n'est pas faire. Donc, j'espère que j'ai... Ça va se répondre à la question de quelqu'un. Mais chérie, si tu as vraiment pour... Si ça, cette idée te revient vraiment d'ouvrir le café, je crois que le Seigneur a déjà mis un potentiel à l'intérieur de toi. Il y a là quelque chose. Et écoutez-moi, ça c'est gratuit, donc for free. Dieu ne peut pas mettre une vision dans votre cœur si vous ne pouvez pas accomplir. Généralement, on n'est pas assez concentré. On se décourage rapidement. On laisse tomber facilement. Premier obstacle, on se dit, peut-être que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Et puis, on fait comment? On fuit. Si Dieu t'a mis restaurant. Si tu venais dans mes ateliers. Bon, dans les ateliers, on a ce qu'on appelle, j'appelle, on fait 3 ateliers par semaine. Ça, c'est pour ceux qui ont vraiment découvert le potentiel juste. Si vous êtes dans les finances ou si vous voulez améliorer vos finances, maîtriser vos finances, c'est 2 fois par semaine. Si c'est relation amoureuse, vous voulez guérir de vos émotions et tout ça, avec vous c'est 2 fois par semaine, parce que tout le monde le dimanche soir on fait notre emploi de temps pour la semaine ensemble, donc quel que soit le travail que je fais avec vous en perso. Donc plus chérie, tu dois d'abord prendre du temps pour rassembler les ingrédients dans ta tête, les données. Comment est-ce que tu vois ce restaurant que tu veux ouvrir? Est-ce que tu veux juste imiter quelqu'un que tu as vu? Parce que j'ai remarqué qu'on copie trop au Cameroun. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait, il a mis la calebasse, il a mis la bouteille, il a mis que tu veux aussi aller faire la même chose. Donc vraiment, assois-toi d'abord. Et tu dois t'asseoir dans un environnement avec les gens qui croient en toi. C'est pour ça que je dis vraiment que l'environnement des ateliers que je fais, c'est vraiment tout ce que je vous dis là, c'est tout récemment ce que je vois vraiment l'impact que ça a sur ces personnes. L'environnement est idéal et important, parce que si tu pars pour mûrir l'idée de ton restaurant avec des gens qui ne croient pas en toi, il y a de très fortes chances que cette idée meure sans que tu ne la réalises. That in the pin, please. Qu'elle meure sans que tu ne la réalises. Et déjà l'environnement, donc quand je te mets dans le bon environnement, tu vas voir que ta tête va commencer à réfléchir. Tu vas commencer à recevoir les idées. Ah oui, je veux le plafond comme ça. Oui, je veux. Aujourd'hui, elle est partie que sauf. J'ai 3 minutes avec vous, je pars. Donc, tu vas voir que les idées vont commencer à venir. Ça va s'ajouter, en fait. Ça va s'ajouter. Et quand plus les idées s'ajoutent, plus tu te vois en train de faire ce restaurant. Plus tu te vois. Et quand tu te vois, ta foi grandit. Et tu peux attirer ce qui est nécessaire. C'est-à-dire les finances, les employés, les utensils. Donc tu commences à acheter une marmite, tu déposes. Tu achètes une chaise, tu déposes. Tu achètes, ou bien, et puis tu as la semence de ça. Un jour, quelqu'un dit, ok, je sponsorise tout bien, il t'achète un produit, il achète un de tes services. Du coup, tu as tout ce qu'il te fallait, mais tu avais dû commencer quelque part. Yves Gaëtan, je ne prends pas des vacances. Yves Gaëtan, je vis ce que j'enseigne. Tu comprends? Vraiment, je sais que tu m'as dit avec tout l'amour. Mais vous pensez souvent que le succès, là, ça vient avec le confort. Genre, je vais me coucher, je me réveille à 7h du matin. Je regarde les étoiles. Et que j'ai dormi peut-être à 20h. I'm so sorry. Ok? Je sais que je suis fatiguée, même mon corps. Donc, elle me soulevait ce matin parce que hier, j'ai dormi assez tard. Et aujourd'hui, 4h15, j'étais debout. Je dis, oh là là. Je pars dans le miroir comme ça, je me regarde, je dis, oh non, this is not me. Est-ce que ça va empêcher que je fasse ce que j'ai prévu de faire? Est-ce que ça va empêcher? Demain, même me réveiller, mon visage sera bien. Ça va empêcher quoi? Donc,
je reviens à mademoiselle plus chérie. Je vais prendre madame plus chérie. Tu dois pouvoir accumuler assez de preuves. Accumuler assez. Quand tu accumules ton ça grandit. Ça grandit à l'intérieur de toi. Et c'est comme ça que tu vas voir, tu vas commencer à accumuler. Ok. Je sais que généralement les gens font pour le business plan ici. Mais il faut aussi que tu détermines à quelle dimension tu veux mettre ton business. Est-ce que c'est quelque chose qui aura un site internet, sera une belle pancarte, ce sera dans un endroit où il y aura une bonne climatisation? Qui sont les clients que tu veux? Donc, par exemple, il y a un atelier, c'est ça qu'on faisait. Ça, ce sont les choses que tu dois penser. Tu dois penser à ça progressivement. Qu'est-ce que je veux vraiment pour le restaurant? Si je vois ça comment? Est-ce que je vois les VIP? Tu vois les gens garer les voitures, les gars la moto pour venir entrer dans le restaurant? Ce sont tous ces détails-là, en fait. Donc, l'argent, ce n'est pas ton problème d'abord. Hein. Ce n'est pas l'argent. Parfois, on se dit, ouais, j'ai pas l'argent pour commencer le business, j'ai pas l'argent, c'est pas l'argent. Ok. Donc voilà. Merci pour votre tout l'amour que vous me portez. Merci Yves Gaëtan, merci Fride, merci puis chérie, merci à tout le monde. Donc voilà, merci d'avoir partagé la vidéo aussi. J'espère que ceci vous a apporté un truc en plus. Demain, on va encore continuer sur la vision à 9h. J'enseignerai sur la vision une fois de plus. Le but, ce serait qu'à la fin de ces 7 jours qui suivent, que vous puissiez avoir déjà une idée de comment vous allez établir vos prochaines 25 années. Ça paraît énorme, non? 25 ans. Oh! Oui. Et pour ceux qui sont en Europe, qui veulent venir, pour l'instant, les tickets sont assez bien. Vous venez au Cameroun du 26 mars au 1er avril. Hein. Venez passer du bon temps. Et puis, il y aura un coaching intense de 3 jours. Et après, vous rentrez. OK? Bon. Que le Seigneur vous bénisse et passez une très bonne soirée. À demain. Au revoir.